On y va. Acte 3, chapitre 2. Hier on a fait quoi? Hier on a avancé, on a débloqué toutes les habilités de Jack. On a débloqué toutes les habilités de Jack, ce qui est cool. On a passé le grand pont. On était sur la fusée, je crois bien. Et on devait faire tourner la fusée. Et je me suis arrêté là, je crois. Ah, let's go. Les gros pixels de la PlayStation, ouais. Ouais, genre, peut-être passer un petit Dino Crisis, là. Hein, tu vois, un petit Dino Crisis, c'est pas mal. C'est pas mal. On va voir, on verra. Ah oui, on avait refait Jack. Est-ce que ça a pris en compte ou pas? Pas du tout. Pas du tout, parce que ça a pas sauvegardé, en fait. Je pensais que quand tu quittais, ça sauvegardait. Enfin, ça sauvegardait au dernier point de sauvegarde, mais apparemment pas du tout. Réinitialisons. Transport lourd. Ça. Ça. Le laser, parce que mes amis, mes collègues sont des empotés, donc il faut que Jack fasse des dégâts. On avait dit transport furtif, c'est utile. C'est ça? On avait dit qu'on voulait tester un peu la barrière aussi. On avait passé ce passage-là, en fait. J'étais à l'intérieur, déjà. Maintenant, ça me revient un peu. Ok. Faudra prendre transport furtif. Enfin, reprendre transport furtif transport. Donc du coup, on va faire barrière, spray. Le reste, on n'augmente pas. Et piratage, flash. On arrête d'utiliser l'électropiège. Piratage, barrière. Ok, ça marche. On n'a pas autre chose sur le truc. Ok. C'est pas le T. Attrape l'autre côté et entrons. Let's go. Alors il y a eu une mise à jour d'OBS. Ok, alors comment ça pivote ce truc? D'abord trouver la salle de contrôle. J'espère que ça va bien se passer parce que des fois avec mise à jour d'OBS c'est pas la joie. Vermine, parfait. C'est quand tu veux. On pouvait contrôler. J'ai appris hier qu'on pouvait contrôler les ennemis. Pas que les robots. Jack éliminé. On est repéré. Voilà. Vous savez quoi faire, Zelda. On va aller prendre notre arme. Attention au coup. Bien joué, Jack.
Qu'est-ce qu'il est résistant, le truc. Ah oh, comment t'arrives à... What? Ah oui, c'est vrai. Le bot a un problème. Oh, on était méga... On était putain de loin de l'explosion. Sérieux, quoi. Je déteste ces trucs. Je crois que en démence, c'est le pire de tout, c'est ces armes-là. Ah, oh, dis-moi que Jack, il est... Oh, non. Va falloir le refaire à chaque fois. Il faut trouver un moyen de sauvegarder. Je vais essayer de me... De m'éloigner de la zone et de revenir. C'est le pire de tous ces armes, ce lance-mine. Je déteste ce truc-là. J'espère qu'on peut... Je l'ai piloté. Qu'on peut trigger la sauvegarde auto, en fait. On va voir un peu. Ou alors ne pas mourir, lol lol lol. Pas mourir, c'est pas mal aussi. Ah, pas trigger. Ça n'a point de ligule. Ok. Ah tiens, je l'ai pas écrit sur le Discord que j'étais en stream, c'est pas grave, on s'en fout. Les gens verront bien. J'ai pas le temps, moi j'ai des ennemis à tuer quoi. Ok, alors comment ça pivote ce truc? Faut d'abord trouver la salle de contrôle. Hey, vermine. Parfait. C'est quand tu veux. On est repérés. Ah merde. Ah ouais, pas bon ça. Delta, l'ascenseur, attention. Bien joué. Vas-y. Ok, très bien. Ça va marcher. Bien. Pas méga bien placé. Oh, oh, oh là. Vache. Collation. Je prends ça. Oh mon dieu. Attention, grenade. Attention, grenade. Lâchez-vous. Oh mon dieu. Je vais mourir. Putain de merde. Oh la vache. Oh la vache. Les mecs, comme ils ont rushé, quoi. Il faut que je refasse Jack. Non.
Ça va me saouler. Ok, alors, comment ça pivote ce truc? J'ai pas pris l'arme aussi, putain. C'est la dernière fois que je refais Jack. On le refera quand on aura fini le combat. Si jamais... Si jamais on le passe, lol. Oh, on est passé hier en plus. Le son du jeu est trop fort? J'avoue que ça gueule des fois. Ah merde, c'est piratage. Oh putain, j'ai pris le mauvais truc en plus. D'abord trouver la salle de contrôle. Ah bon. Hey, vermine. Parfait. C'est quand tu veux. Je viens de récupérer quoi? Des munitions, mais pas... Ça devrait être un peu mieux là. L'ascenseur. Attention. On est repéré. Quoi? Ok, alors, comment ça pivote ce truc? D'abord trouver... Hey, vermine. Parfait. C'est quand tu veux. Non, griffe. Merci. Allez, on va... Hein? On va se concentrer. Tout va bien. Tout va bien, ça va bien se passer, on est passé hier, il n'y a pas de raison qu'on passe pas aujourd'hui. On est repéré. Vous savez quoi faire, Delta? Ah, je sais pas pourquoi on est repéré, mais c'est pas grave. J'ai balancé mon arme. Qu'est-ce qu'ils sont loin, ils visent super bien à chaque fois. Oh, ah oui, c'est vrai que c'est les élites ici, c'est pour ça. C'est des élites. C'est pour ça qu'on se fait malmener. Lanquez-vous.
Merci pour le coup de main, Jack. Opération! Non, on va monter. Le pas d'un problème. Lâchez-le. Ah mon dieu. Accroche-toi, j'arrive tout de suite. Je suis bloqué par le... J'étais bloqué par le bot qui était mort. Oh. J'étais bloqué par le bot qui était mort. Oh. Attrape l'autre côté et entrons. Ok, alors, comment ça pivote ce truc? Faut d'abord trouver la salle de contrôle. Hey, Vermine. Parfait. C'est quand tu veux. Prends ça. Un sion. On est repéré. Vous savez quoi faire. Arrête de me passer devant, bordel, mon dieu. Rapporte. Ouais, la petite déco, ouais, la petite déco des familles. Même eux, la résistance qu'ils ont. Attention, grenade! Non. J'ai peur de m'avancer à couvert en fait. Avec lui. Oh merde, voilà quoi? Une vigie? Ah ok. La vigie ça va, on va la défoncer facile. On va réinitialiser Jack maintenant, comme ça ça sauvegardera. Ouais.
Comme ça, ça sauvegardera juste après. La vigie, elle est simple à combattre. Peut-être un peu trop simple, même. Je dirais. Je voulais pas mettre le mec. Hein. Oh là là, j'ai encore fait de la merde. C'est pas grave. T'es foutu! Tu te fous de moi ou quoi? Ah, bien. Ah, je suis bloqué. Non. Non, mon... Merci, Jack. Mon Kojima, quoi. Voilà. Attention, une vigie. Chaudement. Ah, genre... J'y crois pas. La vigie m'a tué. Oh putain de merde. Ah, c'était la fin de Gears 5. Putain, j'en peux plus quoi. Ok, alors comment ça pivote ce truc? Faut d'abord trouver la salle de contrôle. Bon, on se concentre. On se concentre. Je sais pas pourquoi il bouge pas, lui. Ils veulent pas venir les autres? Pas mal, pas mal, pas mal. Cool. Les mecs, vous voulez venir ou pas ou... Ouais? Non? Non? D'accord. Bon bah on est seul. Cette fois on est complètement seul. J'avais oublié. Non, c'est pas... Comment? Non, c'est... Je crois que je veux faire B, en fait, pour changer d'arme, pour la jeter, l'arme. Mais c'est pas B, c'est sélectionner une arme, en fait. Yeah.
Ok, c'est un peu étrange, j'ai l'impression qu'il me manque des ennemis là. Un peu bizarre. On va la freeze. Est-ce qu'on a brisé le jeu? Qu'est-ce qui s'est passé? Que se passe-t-il? Oh! Merci pour le coup de main, Jack. Je sais pas ce qui se passe. On a trop recommencé, du coup, c'est la merde. La vigie fonctionne bien par contre. Merci pour le coup de main, Jack. Je sais pas si je l'ai bien touché, je sais pas si je l'ai bien. Oh ouais. Où tu vas avec tes armes du Moyen-Âge? Maintenant on s'occupe des autres. Bon bah voilà. On peut refaire Jack. Mon dieu. Un peu étrange ce passage. Un peu étrange. Alors après on fait quoi? On fait flash, portée, juste des dégâts. Et ça, piratage. Et ça. Ça save quand tu fais les améliorations de Jack normalement? Là non, à chaque fois non, ça voulait pas sauvegarder. Là, je fais le fer au flingue si j'ai pas envie de. Ils ont l'air d'être un peu teubés les ennemis. J'ai l'impression qu'ils arrivent pas à savoir où je suis en fait. Je crois qu'on a... C'est bon. La plaque est libre. Allez, remettons ce train sur la bonne voie. Honnêtement, j'ai l'impression qu'on a cassé un truc. Je crois qu'on a cassé un truc. Ouais, ouais, ça me va très bien. Y'a pas de balle. Les mecs ne viennent pas non plus. C'est très bizarre.
Non, on va voir là. J'ai besoin de quelqu'un par ici. Ça ressemble à une salle de contrôle. Maintenant, il faut qu'on accède aux commandes. C'est bon les mecs ? Oh, ok, ça marche. Juste une seconde. J'ai pas l'impression qu'OBS fonctionne à 100%. Pardon. Cette année mise à jour. Non, ça a l'air bon. Jack, oriente le train en direction du hangar. Bon, hier c'est l'endroit où on s'était arrêté. Là, on a perdu du temps. Oh. Excellent. Il reste plus qu'à le ramener au hangar. Ah, je crois que le train a pris une longueur d'avance. Ah merde. Allez, on peut le rattraper avec le ski. C'est par l'outil. Le train s'en va. Allez, tout sur le ski. Go, go, go. Ok, tout le monde est prêt ? C'est parti ! Pourquoi à chaque fois le truc s'en va sans nous ? Paduk, Bert, la fusée est sur un train en direction du hangar ! Hein ? Quoi ? Ça passera pas ! Il va d'abord falloir abaisser le pont ! Vos hommes peuvent pas le faire ? Ils sont plus sur place ! Pourquoi vous avez envoyé le train sans abaisser le pont ? Parce que nous, on n'a pas... Non, ça fait rien, on le baissera nous-mêmes ! Ça a l'air fun ! Ah bien, ah bien, bien, bien. Si on se met sous le pont, normalement on craint rien. Et qu'est-ce que je fais d'après toi ? Oh, oh. Ah non, on est mort. Ah, j'ai l'impression de pas être dedans là. Faut que je me remette. Pourquoi à chaque fois le truc s'en va sans nous ? Paduk, Bert, la fusée est sur un train en direction du hangar. Hein ? Quoi ? Ça passera pas. Il va d'abord falloir abaisser le pont. Vos hommes peuvent pas le faire. Baisser le pont. Ils sont plus sur place. Pourquoi vous avez envoyé le train sans abaisser le pont ? Parce que nous, on n'a pas. Non, ça fait rien. On le baissera nous-mêmes. Les conversations sont cool. J'ai raté pas mal de choses, d'ailleurs t'as presque fini l'acte. J'ai presque fini l'acte, d'accord. Kate, faut qu'on retourne aux commandes du pont, et vite. Et qu'est-ce que je fais d'après toi ? Ok, droite. Tornade, tornade. Putain, mais... Mais attends, je passe par où, là ? Il y a deux tornades côte à côte, c'était marrant. Oh, allez. Il y en a beaucoup en plus, hein. Vite, bordel, accélère ! Prends... Pilote ! Pilote-toi, si tu veux. Ah, mon dieu. On n'arrivera jamais au pont avant le train ! Ah, mon dieu, on est passé. On doit aller où exactement ? On y est presque ! Kate, continue ! Elles sont où les commandes ? À droite ? En face ? Ouais, en face. Ah, il y a le drapeau. C'est le poste de commande du pont. Rapproche-nous ! Allez, fonce, fonce !
C'est où? Je sais pas où c'est. Ah là, à gauche. Vermine. Putain, non, non mais je rêve, c'est pas possible. Non. Putain, on a pas le temps les gars. L'horloge ne tourne pas. L'horloge va carrément exploser. C'est où? Merde. Non, non, oh, non. Oh, t'es sérieux? Planquez-vous. Ah lol. Alors on va le faire descendre à l'ancienne. On fait quoi? Okay. On tire sur dessus? Je dois tirer exactement. La grosse pince. Ça va te faire tomber. Quoi? Abaisser la... ça? C'est bon? Oups. À part. Je fais un truc mauvais. C'est pas. J'ai pas assez tiré, qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Allez go. Putain, non mais je rêve, c'est pas possible! Butez-les! On a pas le temps les gars! L'horloge ne tourne pas! L'horloge va carrément exploser! Pas assez tiré sur le pied de gauche, je crois que ça marche. Merde! Non, non, pas maintenant! Jack Flash! On peut pas, les commandes du pont sont HS! Alors on va le faire descendre à l'ancienne! Ok, sur quoi je dois tirer exactement? La grosse pince! Ça va te faire tomber! Touché, le pont descend. Ah. Ok, pas besoin de côté droit. Là, c'est vraiment pas passé loin. Voilà, j'avais trop réfléchi. Voilà, c'est ça mon erreur. Trop réfléchi. On est sur le skiff. Quel bordel. Ah. Ils nous foutront jamais la paix, ceux-là. Vas-y, venez. On a un fauve. Ah non non non. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Mets-toi à couvert. Merci. Attention à l'explosion. Quoi? Désolé Jack. Passe pas devant aussi. Jack bouclier. Sting. Putain, qu'est-ce que c'est pratique ce bouclier, oh la vache. Oh, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Attention à l'explosion. Drone en approche. Drone. Ça j'aime bien ces drones, les blancs là. Ils ont un peu la couleur blanchâtre. Enfin ils sont nus quoi. Ils ont pas d'armure, rien, tu les défonces trop facilement. Cette fusée.
Pas de problème, Paduk. Et merci. Terminé. Je crois qu'on peut dire que j'ai assez vu ce trou à rats. Moi aussi. Finissons-en qu'on rentre chez nous. Ça va, c'était cool. J'aime beaucoup ce bouclier, putain. Vraiment cool. Quand on l'a augmenté, quand il est augmenté, le truc est vraiment, vraiment cool. À la limite, le spray... Pourquoi on utiliserait le spray, en fait, maintenant? Si on a ça... Faut juste un peu diriger les ennemis. Enfin, faut être sûr qu'ils soient devant et... Et vu qu'il absorbe un nombre infini de dégâts, j'ai l'impression. Il casse pas, quoi. Donc ça va. Voilà, quand je tape en mêlée, par exemple, pour le spray. Avec le bâton. La masse. Le boubou est plus efficace. Ouais, le bouclier, on est d'accord qu'il casse pas, quoi. Il absorbe un nombre infini de dégâts. Tu veux qu'on aille où? Ah, on retourne là, ok. Ça, on a fait avancer la fusée. Attends, du coup, il faut faire le tour par là. Attends, à droite, on va à gauche après. On peut passer... Non. Par là-bas. Ah, pas infini, mais énorme pour le faire tomber. Elle est énorme. Bah, c'est gros une fusée. Tu sais le coefficient balistique qu'il faut pour encaisser la traînée atmosphérique? Non, je sais pas. Bah, c'est énorme. D'où la taille. Dis, qu'est-ce que ça fait de savoir autant de choses dont personne n'a rien à foutre? C'est ça, complète-toi dans ton ignorance, c'est pas mon problème. On est d'accord, merci. Faut qu'il prenne des gros coups de lance-roquette. Donc du coup, il est plus résistant que le spray. Parce que le spray, honnêtement, quand il y a des gros, là, les sions qui tirent un peu à la mitrailleuse et tout ça, le spray, il part en une seconde aussi. Bon, ça me laisse le temps de réagir, de survivre, mais... C'est vrai que j'ai peut-être un peu râlé. Pas qu'un peu. Ouais, d'accord. Merci, Idel. Mais au final, ça a été un moment plutôt sympa. Si je devais mettre une note, un bon 8 sur 10. Parfait. Et étonnamment, c'était pas si pénible que ça de t'avoir avec nous. Ouais, je t'en remercie. Le spray, c'est surtout qu'il absorbe. Dans toutes les... Oui, dans toutes les directions. Ouais. C'est là qu'on doit aller? Yo, Gull, t'as déjà fini? Ça y est, t'as déjà fini le jeu? Surge 2? Coup de barre et hop, boss final. Ah bah ça va. Bah du coup tu peux même te faire rembourser tellement qu'il est court. Je suis en train de retourner là, mais honnêtement j'ai pas fait attention si c'est là. Si c'est là, oui. Il faut aller aux commandes en fait, non? Ah, t'as fait 3 heures. Shaina, je suis dans le bon sens. Quoi? Non, hein, faut que je revienne. Ah si, c'est bon. Enfin, je crois. Vous êtes sur le point de quitter le désert, vous pouvez pas y revenir. Ah... Ok... Donc on a fini le chapitre du désert. Je pense qu'on a tout fait, hein, parce qu'on a toutes les améliorations de Jack. On a le piratage, on a la barre. Ah, il y a un truc qui manque.
C'est ça. Bon, est-ce que c'est vraiment méga utile? Bon, on peut s'en passer, mais est-ce que c'est là ou pas? C'est ça la question. Est-ce que c'est ça? Je l'ai pas trouvé moi non plus. Alors, tu penses que c'est dans le désert, du coup? Est-ce qu'il y a des zones d'ombre qu'on n'a pas faites? Il y aurait là. On peut peut-être faire un... Là, on va voir. On peut peut-être faire un tour vite fait dans le désert. Genre 20 minutes. 10-20 minutes. Voir si on trouve un endroit. Bah du coup, pourquoi t'es... pourquoi t'as arrêté Gueule? Pas, ça marche. Alors on va faire vite fait le tour de la map, on va voir. Oui. Barre fatigue. C'est tout? Non mais continue, non mais... C'est pas grave ça, tu joues pour toi. Bon, là y'a rien. On va... Là peut-être, on va voir. On va frôler. On va... Ouais, c'est sur le côté droit. Il y a un truc qui me travaille. Ah. La CGU avait repéré tous les camps d'étrangers pour qu'on les recrute avec Kate. Mais on nous a jamais dit de venir ici. On savait même pas qu'il y avait des gens dans le coin. Jean a dû penser qu'une bande de fanatiques isolés n'apprécierait pas vraiment la protection de la CGU. C'est justement ça le problème de la CGU. C'est pas des alliés qui veulent. C'est des larbins. Exactement. Pour recruter chaque village, il a fallu négocier pendant des jours. Des jours face à la vermine. Ça devrait plutôt prendre 10 secondes. Je crois que je vais être obligé de signaler cette propagande anti-CGE. Tu vois, je suis pas sûr à 100% que tu plaisantes et ça m'inquiète légèrement. Et tu as bien raison, puisque ah, je ne plaisante qu'à 97%. Il y a une grotte, non. On aurait dit une grotte. On aurait dit une grotte, mais je pense pas. Là, peut-être, on va voir. War Thunder. Avec les tanks. Ah, il y a un truc là, non? C'est en multi, War Thunder? Oh, yay. Aha! Aha ou haha? On a déjà fait? Ben, ils disent rien. Ouais, ouais, on a déjà fait. Attends, on l'a bien déjà fait. J'ai du mal à lire la map en fait, des fois. Épave du car de cargo. Ouais, épave de cargo, c'est coché. Allez, du nerf. Du coup. Ah oui, c'est pas du tout là en fait, d'accord.
Voilà, ça sera embêtant de passer à côté de l'amélioration. En plus, une amélioration comme ça, ça devrait être une zone assez importante, je crois. Ça m'étonnerait quand même que je sois passé à côté de quelque chose que j'ai pas vu, en fait. Ça m'étonnerait un peu. Honnêtement, je suis prêt à regarder sur Google vite fait pour éviter de louper des choses. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a aussi fait. Ah, peut-être là. C'est embêtant. C'est embêtant tout ça. Aïe. Tu as tout sur ta... Tu crois que j'ai tout sur cette map? Vu la map, je dirais pareil, parce qu'il n'y a pas vraiment de zone d'ombre. Il y en a très peu, c'est des petites, donc si je suis pas allé, c'est qu'il n'y avait rien. Ah, oh, merde. Je serais d'avis que... de tout avoir fait aussi. Je serais du même avis. Bon, on avance. On avance. Un dernier endroit, on pourrait check. Ça, c'est encore un peu noir à la limite, vite fait. Par où on passe exactement? Point de sauvegarde. C'est marrant parce qu'on dirait qu'au poste de commande, en fait, on peut continuer. On peut continuer. Ah, ça m'étonnerait quand même. Bon, allez, on y va. Si on regardait sur Google vite fait. J'ai envie. Ok, j'ai envie de regarder, désolé. Ça va me turlupiner. Oh mon dieu. Gear 5. Jack augment.
liste des upgrades. Mais où les trouver? Alors, barrière. Deadly Overload, acte 4, chapitre 1. Voilà. Voilà, voilà. Acte 4, chapitre 1. Donc on est bon. Ah oui, ça me revient. Évidemment, je suis... évidemment, ça te revient maintenant. Ah oui. Je peux pas passer à côté, ça marche. Ouais, j'ai juste lu là. J'ai juste lu, pardon, ça. Juste lu ça. Ouais, tant mieux. Il y a un truc invisible. Non, il y a pas de truc invisible. C'est juste elle, des fois, elle se... C'est marrant. Non. Ben, ça m'empêche pas d'avancer, en plus, c'est drôle. Ouais, je voulais dire, c'est vrai que c'est vraiment cool ce système de... c'est vraiment un peu comme la God of War, tu peux pas vraiment passer à côté des secondaires si tu les cherches. C'est pas des secrets, rien, c'est cool. Let's go. Accroche-toi de côté, qu'on en finisse. Paduk, on est revenu dans le hangar, tout devrait être prêt. Bien, Baird a laissé des instructions que je dois vous lire. Ouvrez les guillemets. Allez à l'intérieur, activez l'assemblage de la fusée, lancez la fusée et espérez que ces satellites parlent aux nôtres. Fermez guillemets. Quoi? Priez pour que ces satellites parlent aux nôtres? Voulez-vous que je fasse? Je sais à peine allumer un ordinateur. Allez appuyer sur le bouton et on verra ce qui se passe. Oh merde. Je comprends mieux pourquoi il a jamais lancé cette fusée. Il va me tuer, lui, avec ce dialogue à la con. Ah, j'aime pas retourner ici. J'ai un mauvais souvenir ici. J'ai un souvenir très long et très douloureux. Bon, là, on va dans une autre partie, alors. Ah oui, les plaques de la CGU. Oui, d'accord, oui. Ça oui. Mais... Nous y voilà, la fusée préférée de tout le monde. Descendons sur la plateforme pour activer un interrupteur. Ouais, et on verra ce qui se passe. Ça va, y'a personne. Ok, cool. Non, mais après, comme je disais, les genre missions secondaires du genre pour Jack, par exemple. Ou où il faut débloquer, il faut récupérer des choses pour débloquer ses habilités. Ils auraient pu planquer la moitié d'une ville là-dedans. C'est immense. Ouais. Oh, la dernière fois. La dernière fois, on n'est pas passé là. Oh mon dieu. Aïe 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 aïe, sûrement des trucs. Tu vois ça? Jack, rapporte. Merci. Merci. On peut remonter par là? Ah ah ah. Non. Ok, go. Je sens qu'on va avoir de la compagnie, je sais pas pourquoi, mais... Oh oui. Attention! Qu'est-ce que c'est que ça? Y'a un écumeur ici! Pas ça. Oh bien! Sale connard! Je parie qu'il l'a fait exprès! On en a rien à foutre! On doit remettre cette coiffe en place! Sale connard! Oh. Du coup on fait comment? On peut faire péter ça. Merde, oh. Revoilà l'écumeur. Bon. Non.
Écumeur, Jack Flash. Il m'a fait peur ce coup. Je l'ai vu au dernier moment. J'étais un peu trop concentré sur l'autre en fait. Oh la vache. J'étais trop concentré à sauver mes potes qui sont un peu cons. Ça fait pas vraiment de dégâts, je trouve. Cité se fait enlever. Ouais, j'arrive. C'est bon ? Ouais, pas mal. Écumeur marqué. Quoi ? Oh putain, ce souffle de merde. Ça va m'agacer, ça. Merde ! Revoilà les cumeurs ! Waouh, bien joué. Alors ça, c'était bien de la merde. Aidez-moi ! C'est quoi, Zen ? Oh mon dieu de merde. Qu'est-ce qu'il a pour suivre ce con ? Écumeur marqué. Pas qu'il en emporte un. Merde, on a des sions. On a des sions. Le poteau en rate. On va lancer. Il me faut vrai. J'ai rien. Ok, ok. Là, c'est pas bon, par contre. Ah mon dieu. Putain, ce stress. Faudrait pas qu'il me balance une grenade pendant que je me balade. J'ai pas l'air con, moi. Balader. Bon. C'est bon. On les a tous eus. On doit monter sur ce portique pour réaligner la coiffe. Ça,
vrai que j'aurais pas eu demander à Jack de me prendre une arme en fait sur le terrain. Je vois pas pourquoi je me suis reculé comme ça. La peur du one shot sûrement. Kate, on doit s'occuper des satellites. Allez. Sûrement la peur du one shot. Oh, vous êtes déjà là? D'accord, ok. Remettons la coiffe en place avant qu'il en arrive d'autres. Jack, aligne ce truc. Tu vas me dire, ça fonctionne encore? C'est bon, les affaires reprennent. Montez sur la fusée, elle vous emmènera sur l'aire de lancement. Oh mon dieu. Est-ce que c'est bien sûr de tirer sur la fusée? Prends ça. Cible abattue. Est-ce que c'est bien sécurisé de faire ça? Ils sont morts. Ok, c'est bon. Franchement, d'après nos standards, ça s'est passé sans trop. Ah, j'avais peur qu'il y en ait un qui meure. Putain ! Faz ! Merci ! Merci, mec ! Je suis ému par ta gratitude, mec, vraiment ! Ouais, crois-moi ! Mais je te rappelle juste que je suis suspendu au cul d'un putain de train ! Oh, ouais, bien sûr, pardon ! Ah, la bromance. Petit pas pour la CGU. Ok, fusée livrée. Et maintenant? Maintenant, on la met en position. Manuellement, apparemment. Ce qui veut dire qu'on doit trouver la salle de contrôle. Ouais. Et initier le lancement. Je peux... Et revenir à la base. Oh, bordel. Je pensais pas que ça demanderait autant d'efforts de traîner avec vous. D'accord. Eh ben... On voit que quand l'URI a conçu cette salle, elle avait pas prévu l'interface de Jack. Allez, Jack, vas-y! Fais pas ton timide! Ok. C'est bien ce qui est censé se passer, hein? Ouais, mais ça veut pas dire que c'est pas bizarre. Merci! Genre, c'est toute la structure en fait qui a basculé. Et voilà. Notre wow. Fusée est redressée.
Baduk, on aurait besoin d'un interprète. Attendez, vous avez initié le lancement? T'es sérieux? Peut-être. Alors foutez le camp d'ici, vite! Oh mon dieu. Go, go, go! Par ici les gars! Mais attends, les armes. Ok, ça me va très bien. Ouvre la trappe! Ah! Allez, vite! Allez, on va y arriver. C'est proche. J'ai l'impression que Jack il fait de plus en plus ce qu'il veut en fait. Oh, j'aime pas ça. Qu'est-ce que c'est? Attention! Quelqu'un aura une idée de Johnny? Merde, il va écraser la plateforme. C'est quoi ce truc? On va lui faire la surprise. Mais c'est quoi un évent exactement? Les parties qui s'ouvrent, tirez là-dessus. Super, les ouvertures sont pleines de sangsues. Il a pas aimé ça. Visez-en un autre. Mon dieu, là. Il y a des saloperies partout. Quoi cette bestiole? Putain de merde! Il revient à l'attaque! Les évents, tirez dessus quand ils sont ouverts! Un évent qui se met! On doit lui faire la surprise! Oh non, 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 non. Allez, plus qu'un. Il va nous écraser. Il a pas tendu. C'est bon, on a réussi. Mais comment on descend? On est où en plus? Et c'est quoi cette bestiole, en fait? Un ver géant? Merde, il en a pas encore fini avec nous! C'est pas après nous qu'il en a! Il veut la fusée! Une trappe! On peut descendre par là! Ah. Il a enveloppé la fusée, il veut l'empêcher de décoller! Alors tirez où ça fait mal! Ah oh mon. Ah, on est mort. Non, non, on n'est pas mort. Je sais pas. Vite, y en a un d'ouvert. Je sais pas comment on est pas mort. Il y a plein de munitions. Là, il s'ouvre. Ça marche. Visez-en un autre. Nuée marquée. Un évent s'est ouvert. C'est le dernier. What? C'est le dernier, t'es sûr? Le vent est ouvert! Il est en train de lâcher la fusée! Oh merde! Il est en descente de cette tour! Venez! Tatil Ugon, Meshatik. Je vais lui prendre peut-être les munitions. Hein. C'est là l'ascenseur? Ouais, c'est là l'ascenseur. Eh les mecs! Vous voulez venir ou merde?
Bon bah merde. C'est parti, on descend. Putain de merde. Ah merci. C'est sympa, Jack. Merde, tirez sur sa langue. Ah, fais chier. Oh putain. Oh non, 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 non. Adieu. Je me suis avalé. Il a des langues maintenant. Repoussez-les. Attention, on est coincé avec ce truc. On doit trouver une sortie. Qu'est-ce que c'est dégueulasse, machin. Arrêtez. Il s'en va, tirons-nous. Oh putain, j'ai parlé trop vite. Ouais, il s'en va pas là. Merde, il nous barre le chemin. Alors continuons de l'énerver. Sa langue va frapper. Non, merde. On tirait sur la lampe. C'est sympa, Jack. Oh non. L'autre, il s'est fait bouffer maintenant. Thibaut, bienvenue. Merde, il nous barre le chemin. Alors continuons de l'énerver. Bienvenue, bienvenue. On essaye de survivre à cette merde. Non, non. Merci. Merde, tirez sur sa langue. J'attrape. Il va revenir. Kate s'est fait attraper. Oh, lâche-moi. Non.
Ah ok, ça commence à être compliqué de faire ça. Par contre, quand t'es attrapé, les mecs t'aident à moitié. Hein. Merde, il nous barre le chemin. Alors continuons de l'énerver. Sa langue va frapper. Merde, tirez sur sa langue. Il l'a chopé, tirez sur sa langue. Visez la langue. Ah, l'équipe de bon à rien. J'arrive plus à... Merde. Oh, on est deux attrapés, c'est mort. Oh, le fer, on va le faire, hein. Ouais, y a pas de problème. Mais on n'a pas fait tout chemin pour arrêter là. C'est juste que ça arrive de prendre un petit moment si ça... S'il continue de nous attraper à plusieurs. Peut-être un peu plus simple avec le... Avec le Magnum. Oh le bordel. Incroyable. Ah ah, ça fait mal. Ça fait mal. Tous dans le quart scolaire. Allez, dépêchez-vous. Ah non, non, non. Merde. Allez, je vais encore devoir te sauver, on dirait. Attends, tu comptes les points? On décolle. Ouf.
C'était qui ça, la reine? Oh, y a un super méca. Deux. Oh, y a plein de mécas, c'est énorme. Ah, saleté de commande de la CGU. Il m'a flingué les vertèbres. Alors voilà la nouvelle Ephira. Le repère des industriels, des technofascistes, des réactionnaires et des lâches. Ouais, et aussi de la bonne bouffe, de l'eau propre et des douches. Non, c'est surfait tout ça. Bienvenue à la maison, Delta. Passez me voir à l'atelier tout de suite. Je vais envoyer quelqu'un pour les balises. Bien reçu, Baird. On arrive. Eh ben, c'était intéressant ce séjour dans le désert. Eh. Au fait, merci beaucoup. Oh. Inutile de me remercier. Oh, le groupe s'est reformé, ça y est? Vous voulez que je prenne une petite photo souvenir? T'es vraiment trop con. Non, oh, tu peux arrêter de me faire du gringue. Sérieusement, ça devient gênant. Où on en est? Les satellites sont reliés? Ouais. Ils sont tellement liés qu'ils sont en train de boire des coups. Ok, les enfants. Approchez-vous. Et bien blair. Ils sont tous bien. Maintenant, observez. Ouais, belle démo, Baird, mais ça va marcher? Pour savoir ça, on doit faire un tir d'essai. Oublie le tir d'essai, mon grand. C'est une vraie cible qu'il nous faut. Si on choisit une cible, ça devrait pas être en présence d'une vraie autorité militaire? C'est Phase, c'est ça? Oui, monsieur. Alors ferme-la, Phase. Oui, monsieur. La vermine à sa reine. Ça veut dire qu'ils ont une ruche spéciale quelque part. Un nexus. Un endroit où ils sont vulnérables. D'accord. Et comment on le trouve? Pas besoin. Parce que toi, tu sais peut-être déjà où il est. Comment je le saurais? Écoute, je vais être franc avec toi. Pendant ton absence, Jean a fait des pieds et des mains pour qu'on essaie de te reconnecter à l'esprit de la ruche. Attends un peu. Quoi? Ça va, t'inquiète pas, je l'en ai dissuadé. Mais j'ai besoin que tu repenses à ce que tu as aperçu dans cette vision. Le moindre détail. Il y a quelque chose qui pourrait nous aider? Non. Enfin, non, pas que je sache. On va prendre la relève, sergent. Excusez-moi, vous ne faites jamais toc-toc? Les premiers ministres n'ont pas besoin de frapper. Mais faites comme chez vous. Jean, écoutez-moi bien, ça n'arrivera jamais. Et qu'en pensez-vous? Étant donné que la chose qui me liait à l'esprit de la ruche est morte, on l'a tuée d'ailleurs, ne nous remerciez pas. Et vu que je ne vous fais absolument pas confiance, je vais devoir décliner. Arrêtez-la. Quoi? Ah bah évidemment. Vous êtes folle? Oh waouh. Madame? Iris, qu'est-ce qui se passe? Multiples intrusions ennemies. Ruines de la vieille Ephira. Caméra extérieure 16. Caméra extérieure 15. Caméra 10. Oh, fais chier. Ils sont là. Alors on y va tout de suite. Oh, c'est bon, j'ai compris. Vous pouvez mettre fin à tout ça. C'est vrai? Et qu'est-ce que vous croyez que j'ai foutu pendant tout ce temps? C'est reparti! Delta, rassemblez-vous! Dites-moi qu'on a un plan. C'est le cas. Ça, c'est une Clayton. Balise de visée. Non, sans déconner. C'est nous qui les avons ramenés de l'Asgard. Inutile de s'énerver, lieutenant. Je ne fais que mon boulot. Tout ça pour dire qu'on va les placer un peu partout dans la vieille ville. Cole et Phase ont déjà reçu la leur. Alors, où est-ce qu'on la place, notre balise?
À l'école de guerre de la barricade Est. Quand elle sera en place, vous aurez une fenêtre de tir avec le rayon. Et vous pourrez riposter. C'est bon ? Ouais. Bon, je vais pas vous mentir. C'est un vrai carnage dehors. Alors on surveille nos arrières. Comme d'habitude. Oh, c'est reparti! Aidez-moi à poser cette balise dans la rue! Merde! L'escouade Sierra se déploie. A plus, Thibaut! On se voit tout à l'heure, Delta! Merci d'être passé! Merde! Tu dois aller où? Tanuk, apporte la balise au tombeau du soldat inconnu! Pilote, emmène-nous là-bas, où que ce soit! Mais on n'avait pas un Lancer LG? Oh, on avait un Lancer LG dans la cinématique, je suis chier. Attention, des transporteurs! Delta, aidez mon escouade à dégager merde, la zone! Bien su, Carmine! Bordel de merde, ils sont sur nous! Balise déployée! Merde! Elle sera prête à tirer dans combien de temps? Laisse-lui quelques secondes pour se calibrer! Et si je peux pas attendre quelques secondes? Merde! La barre de progression est bloquée à 83%! Alors débloque-la! C'est bon maintenant, tire, tire! Oh. Oh oh. Les transporteurs sont morts. Il est trop stylé le rayon d'eau. Encore des retardataires à descendre. Méga Coltrane à la rescousse, baby. Bienvenue sur Chantir. Oh, c'est trop stylé. Non, ce truc. Il en a plus. Super. Il a défoncé tout le monde à lui tout seul. Ouais, ouais. Mais seulement à proximité de cette balise. On doit poser les quatre autres. Ok. Le GBE, c'est tout droit. Allez-y, Delta. On va défendre celle-ci. Merde, j'ai ma balise. Où je vais maintenant? Accroche-toi, j'y travaille. Ça a bien menti. On vient de... quitter le désert pour... c'est quoi la nouvelle Ephira? Et on vient de se faire attaquer. Mais bon, on a du matos quand même. Putain, merde, regarde-moi ce canon, quoi. C'est derrière ce bâtiment. Pas de soucis, Delta. J'ai encore un peu de temps libre avant d'entrer en scène. Allez, en voiture, Delta. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment on passe? Ah, il peut nous aider, le robot. Ah. Merci pour le coup de main, Cole. Marcus a mal au dos. Je lui devais bien ça. Il est cool. Merci. Un titan, grave, mais c'est énorme. On est arrivé. L'académie. Ah. Merde, j'avais peur de mettre pause. Chier. On a 4. Ah, on a que 4. Ouais, on va traverser ce bordel. Merde, Echo ne peut pas atterrir. Notre faucon se fait tirer dessus. Posez-vous dès que vous pouvez, mettez votre valise en place. Et ça s'applique à toutes les escouades. On a des ennemis qui débarquent partout. Ah, toutes ces responsabilités, c'est pour ça que j'ai quitté l'armée. Ah, on a ramené le russe aussi. Chez nous. Il arrête pas de se plaindre, tout le temps. Il se plaint tout le temps. Mais c'est fun. Il y a des très très bonnes conversations en VF en plus. Des très très bonnes conversations. On doit y aller, vite! Juste à temps, Delta. Oh, pas ça! Putain, merde. On a un Wehrmacht! Papa, pose la balise, utilisons le rayon! Dégagez, figure cet ordre. Vous devez la placer dans le bâtiment de l'autre côté de la cour. C'est
Wilco, Delta. Je vais aller le distraire. Hé, hey, l'idiot. Par ici. Un coffre abruti, remets-toi à couvert. C'est qui, ça? Elle est morte? Le titan, oh mon dieu. Merci Jack. Ok. Oh mon dieu, qu'est-ce qui fait mal? Je pense qu'on va devoir changer d'angle parce que là on n'y arrive pas. Ah, c'est quoi ça? Ok. Ah, on s'est bien placé. Ah, je crois qu'on s'est... Je crois que y a pas mieux. Je crois que là on s'était très 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 bien placé. J'ai jamais vu un placement aussi parfait. Putain de merde. Juste à temps, Delta. Putain de merde. On a un garmac. Papa, pose la balise. Utilisons le rayon. Négatif, ayant cet ordre. Vous devez la placer dans le bâtiment de l'autre côté de la cour. Tu te fous de moi? Pourquoi? On doit maximiser la zone de couverture. Voilà pourquoi. Putain, je rêve! Ça va, Berd, on s'en occupe! Hé, hey, Lima! Occupez-le assez longtemps pour qu'on fasse le tour! Oui, cool, Delta! Je vais aller le distraire! Hé, hey, l'idiot! Par ici! Un coffre abruti, remets-toi à couvert! Ben, ma coffre! Au! J'ai détruit la. La cover. Papa, la vieille Ephira, elle est comme dans tes souvenirs? Ouais, James, c'est un véritable retour en enfance. Jack, elle est complète. Il y a des balles derrière aussi. Oh. Aide-moi! C'est quoi ça? Oh, c'est là! Pause. Il est là, ce truc. Putain. Surcharge mortelle. Quand elle disparaît, la barrière de Jack libère une vague explosive vers l'avant. D'accord. Bah, putain. Parfait. Hop, hop. Voilà. Merci pour le coup de main, Jack. Ok, il a pas aimé. Tu
Je sais pas où me déplacer, honnêtement. Il faudrait se déplacer sur le côté. Jack, tu fais quoi? T'es mort ou quoi? D'accord. Ça fait au moins 3 fois que je dis à Jack de le commander. Ah bien Lucie. Ah on peut pas les... Bien joué, Jack. Tu m'expliques pourquoi tout le monde ignore les ennemis? Je sais qu'il y a un Vermac mais quand même. Du coup, on est reparti. Merde. Ça, ça va marcher. Boom. Merde, il a bougé. Ça va, on a un peu de mal avec le Vermac. C'est sympa, Jack. Je sens que je vais regretter ce que je suis en train de faire. Là, ça serait bien qu'il tire les autres. Genre y a que moi qui peux l'exposer, mais y a personne qui va tirer dessus quoi. C'est problématique là. Merci Jack. Oh merci mon dieu. Ok, il a pas aimé. Les missiles, ils reviennent en arrière. C'est quoi cette blague? Non.
Là, on est dans la merde. Je lance une grenade. Bloquez-vous. Ça va? Apparemment, lui, il était en mission, quoi. Octobre pour le... pour l'épisode 3. Attention, une vigie. Oh mon dieu, t'es sérieux. Manquait plus que ça, quoi. Non. Ah ah. Juste à temps, Delta. Oh non. Tiens. Papa, pose la valise. Utilisons le rayon. Wow. Jack est mort. D'accord. Juste à temps, Delta. Putain de merde. On a un garmac. Papa, pose la valise. Utilisons le rayon. Dégagez, ayant cet ordre. Vous devez la placer dans le bâtiment de l'autre côté de la cour. Tu te fous de moi? Pourquoi? On doit maximiser la zone de couverture. Voilà pourquoi. Oh putain, je rêve. Ça marche, Baird. On s'en occupe. Hé, Lima, occupez-le assez longtemps pour qu'on fasse le tour. Wilco, Delta. Je vais aller le distraire. Hé, l'idiot. Merde, tu veux un scoop? La balise du Coldplay est déployée. Et deux. Bien joué, mon vieux. Vous envoie un satellite. C'est parti pour la pluie de feu, baby. Coup de main, Jack. Ah, la vie qu'ils ont, eux. M'en suis occupé. Ok, bien. Le master. Bienvenue. Très bien tout le monde. Ouais, The Long Dark. Épisode 3 apparemment. Je crois qu'il y a une petite vidéo qui montre un peu de l'épisode, mais j'ai pas regardé. J'en ai eu un. Attention, une vigie. Ah bien. J'avais un peu oublié celle-là. Merci, Jack. Peut-être mieux quand elle a plus son casque quand même.
putain, mais c'était sérieux. Le truc, il esquive tout le monde. Il vient juste pour ma pomme, quoi. Oh là, mon dieu. Juste à temps, Delta. Ah. Merde, on a un garmac. Papa, pose la valise. Utilisons le rayon. Dégagez, rayon cet orbe. Vous devez la placer dans le bâtiment de l'autre côté de la cour. De quoi, moi? Pourquoi? On doit maximiser la zone de couverture. Voilà pourquoi. Oh putain, je rêve. Ça marche, merde. On s'en occupe. Occupez-les assez longtemps pour qu'on fasse le tour. Oui, cool, Delta. Je vais aller. Oh, il y a ça aussi à récupérer. Hey, l'idiot. Par ici. Est-ce que ça a sauvegardé ou pas? Oh la vache, il faut le récupérer à chaque fois. Bordel, ma cop. On va le récupérer à chaque fois. Papa, la vieille Ephira, elle est comme dans tes souvenirs? Ouais, James, c'est un véritable retour en enfance. Attention, grenade! Flash! Bon joué, Jack. Merde, non. La valise du contrôle est déployée. Et deux. Bien joué, mon vieux. C'est pas vrai! Dégagez ce bâtiment, on ne pourra pas poser la valise! Attention à l'explosion! Ah putain, mais à chaque fois je fais un... sans rechargement rapide, le magnum il fait extrêmement mal avec son gelé. Oh mon dieu. J'arrive pas à bien me protéger. Jack Flash. La voie est libre. Marcus, déploie la valise. Je m'en charge, couvrez-moi. Merde, valise en place. Ouais, je vois le signal. Prenez les lasers de visée. Quoi? Oh mon dieu. C'est pas fini encore? C'est une arme, c'est ça? Bon. On doit se mettre à l'abri du vent! Marquez votre cible avec le laser! Les satellites feront le reste! Éliminons ce Bernac! Delta, on a la vermine qui arrive! Wouh! Merde! Et l'arbre des renforts! Ah, j'adore ça! Ils viennent d'où les renforts? Qu'est-ce qui est résistant? Le Bernard va tomber. Voilà.
C'est bon. L'école est sécurisée. Merde, les larves ont abattu notre faucon. On a des morts et des blessés. Envoie-nous de l'aide maintenant. Oh merde. Bien reçu, Paduk. Delta, Paduk a besoin de renfort au tombeau. Bien reçu, on est en route. Echo, la fumée vient du faucon. Vous trois, allez le rejoindre. Je vais rester là pour protéger la balise. On se voit tout à l'heure, papa. Compte là-dessus, James. Oh, c'est mignon. C'est beau. Visitons. Du coup, on a pris l'augmentation de Jack. Yes. Parce que maintenant, je sais même plus, en fait. Alors, du coup, on passe par où ? Voilà. Merde, laisse quoi Tira poser sa balise. On se fait pilonner ici. Quand est-ce que tu pourras déployer un satellite au-dessus de nous? Il y en a un en route maintenant, Sierra. Il a pas un mode turbo par hasard? Non, mais c'est pas une mauvaise idée. Iris, prend ça en note. C'est déjà noté, Démon. Sympa. Oh, wow, cool. On dirait qu'ils essaient de construire une ruche ici. Ouais, juste devant chez nous. Ça explique la vigie qu'on a tuée. Ah, les vigies sont toujours à protéger les ruches, en fait. C'est ça, le truc ? Oh merde. C'est vrai que j'avais oublié ça. Ok, pas par là. À prendre là-bas. Je pense pas qu'il y ait grand chose. J'aime pas ça. Ah merde. C'est vrai que j'ai l'invisibilité. Toi bien, toi bien. Qu'est-ce qu'on fait? On attend l'invisibilité. On fait un peu de combat. L'autre, il s'est pas réveillé. Jack, camouflage.
Oh, doucement. Bon, il est en train de défoncer les bestioles ou pas? J'ai même pas l'impression qu'il tire. Oh mon dieu, il y a un... What? Gare à l'explosion. Je l'ai entendu en plus. Par là-bas. Faites gaffe, on est trop bien. Y'en a qui aiment vraiment le robot, hein. Putain. Attention à l'explosion! Très mal placé. Oh, on a presque fini avec cette merde. Lance-grenade, pardon. Oh. Oh, j'avoue, je commence un peu à fatiguer là. Oh putain. Je commence un tout petit peu à fatiguer. Faites gaffe, on est trop bien. Comment on pourrait être efficace en fait pour le détruire?
Jack est à terre. Oh l'autre, il... JD, il sauve tout le monde, JD. Tu pouvais me sauver moi. Merde, on a des... Bien joué, Jack. Pas de bestiole, c'est bon. Attention, grenade. Putain, on va se reculer parce que je suis mort un peu trop de fois. A voir si on peut pas en contrôler quelques-uns. Jack, vas-y. Jack, au boulot. Ok, cool. Bien. La voie est libre. Allons retrouver Paduk. Je prends ça. On peut prendre ça, mais il faudrait des balles de Magnum. C'est vrai que lui lâche à chaque fois le lance-roquette. Faut que j'y pense, je pense jamais à le prendre en fait, à le récupérer. Jack est vraiment cool maintenant. Jack, rapporte. Avec ses habilités. Honnêtement, ça devient vraiment fun. Des idées? Jack, l'ascenseur. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est bon, on peut passer. Allez. D'accord. Enfin, pour... Ah. Pour moi, il était en train d'électrocuter les machins. Hein. Une seconde petite pause et après je reviens. C'est inacceptable en vrai. On peut dire ça, on peut dire limite ça. Après comme je dis, c'est le remake, nous on le compare à l'ancien jeu. Parce que nous on avait le monde ouvert, on avait le Midgar et tout ça. Là maintenant le remake ça va être une grosse partie Midgar apparemment, ça va être plus long que l'original. Donc, dans un sens, ils ont encore raison. Mais
ils sont pas vraiment transparents, en fait, je pense. Le gros problème, c'est ça, ils sont pas vraiment extrêmement transparents sur ce qu'ils vont faire et sur comment ils manipulent le jeu. Et nous, comme bonne poire, on va juste l'acheter. Bref, on verra ça. On verra quand ça sortira. Ce sera le temps du jeu original, mais rien qu'à Midgar. Ouais. De toute façon, si c'est que ça, c'est quand même bof. Hein. Bon. Ça. J'avais même pas fait attention qu'il changeait ses... Il changeait ses bras. Jack. Oh putain, les détails quoi. J'avais même pas fait gaffe. Ça tue. il tue ce jeu, il est vraiment bien hein. C'est parti. Les gars, voilà le tombeau du... Putain. Oh non. Delta, je peux pas contrôler le réseau du rayon tant que les 5 valises sont pas en place. Ils vont tuer Spaduk. On se dirige vers lui. Le plus important, c'est la valise. Le reste est secondaire. Spaduk serait d'accord avec moi. Compris. Elles sont parties où les nuits? Tout le monde à l'intérieur. C'est quoi ça? Avis de restauration de tombeau du soldat inconnu. C'est quoi le soldat inconnu? Un paquet de guerre sont enterrés ici, dont ma grand-mère. Que quelqu'un prenne l'autre côté! Ah! Aidez-moi! Aïe 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 aïe! Bordel! Suivez ce mot! Dégagez le tombeau! Il faut sauver Echo! Ah, je peux faire ça toute la journée! Ou j'en secoue un loup de qui? Alors, qui veut être le prochain à mourir? Paduk, Delta est là! C'est pas trop tôt! Aidez-moi à dégommer ces Karayaski! On a le rayon de l'aube ici, non, hein? Ouais. Parce qu'il a pas mis la balise. Flash! Oh! Grenade! Attention à l'explosion! La grenade aussi, putain, qu'est-ce que je fais? Merci, Jack. Je suis content parce que personne me l'a dit en fait, personne m'a rappelé. Oh attention, il y a des trucs, il faut envoyer des grenades dedans. On me l'a dit au tout début. Genre pour les gens qui connaissent pas les Gears. Et ils me l'ont pas répété, je suis content. J'ai dû m'en rappeler moi-même. C'est bien. Qu'est-ce qu'il est bien ce truc? Bon. Allez, allez. J'en ai eu un. On a quoi là? Ok. En difficulté inférieure, il te le rappelle tout le temps. Ah, ah. Genre même là il y a des différences à ce truc. Yo Paduk, ah bien. Vous avez pas dû affronter beaucoup de Gorazni. Je vais vous montrer ce que vous avez raté. C'est quoi ça? Votre balise est intacte? Wow. Ouais, mais c'est pas fini. Préparez-vous. En voilà d'autres. Vous avez entendu? En position. Les chasseurs, faites gaffe à leur arme. Ah non, pas ça.
Oh merde, les nids s'ouvrent! On doit les refermer! Planquez-vous! Cours! Ah, on peut pas passer! Oh, on passe comme ça! On est très 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 mal placé. On va mourir. Je pensais que... Je pensais pas qu'ils allaient avancer comme ça. Chier! Mais c'est pas fini! Préparez-vous! Envoie la tête! Vous avez entendu? En position! Des chasseurs, faites gaffe à leur arbalète! S'ouvre, on doit les refermer. Écran de fumée. Attention à l'explosion. Non, c'est fumée. Je te vois, approche-toi. Je crois qu'on a fermé. Flash. Ah putain! Ah, je me vide de mon sang! C'est... Attention, fumigène! Drone sur la gauche! Je vais m'ennuyer! Ouf! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Je me vide de mon sang! Jack Flash! Des fois, un truc de loin, on a rien. Ah oh merde, un autre nid! Planquez-vous! Attention, on peut loin! Un peu le bordel. Rapporte. Venez, je vais vous faire votre fête. Allez, bouclier. Ça en plus. Oh mon dieu de merde. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Non, pas cool. Faut que je fasse gaffe à l'autre. Pas bien. L'autre il l'aide ou pas? Ah
Ah bien, 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 bien. Ah, sur moi, hein, sur... Elle voit que moi. Elle voit que moi. Il y a quoi, lui, comme arme? Ça va marcher. Arrête ça! Oh, mon Dieu. Mais bon. Allez! Ok, on devrait... On devrait pouvoir souffler. Cette précision de manette au loin, oh là là, oh c'est plaisir. Bon bah ça va. Un peu peur. Il est où exactement? Ah, attention, Jacques Flash. On peut tirer dessus, je crois bien. Je l'ai déjà fait. Duc, ça va? J'ai connu pire. Notre balise est coincée dans l'épave du faucon. Votre grille-pain peut peut-être aller la chercher. Grille-pain? C'est pas une PS4, mec. Oh. Jack, va chercher la balise d'écho. C'est un peu respectueux. Me lancer dans le multi ce week-end, mais sûrement, complètement. Je vais même faire exprès. Ah non, faut que ce soit moi qui le prenne. Je l'ai. C'est plus lourd que ça en a l'air. Le plan, c'était de poser la balise derrière le tombeau. Allez-y pendant que je garde l'entrée. Derrière le tombeau. Et si jamais je meurs, c'était pas si horrible de faire équipe avec vous. Avec vous non plus, Paduk. En avant, Delta. C'était pas si horrible. Delta, je dois savoir où vous en êtes. Vous allez bientôt poser cette balise? On y est presque, Baird. Ok. Là? Placez cette balise exactement où Baird nous l'a demandé. Oh putain, c'est loin! J'aime bien parce que dans sa voix, on entend qu'elle... C'est comme si elle portait, elle fait des efforts, quoi. Donc ça, c'est bien. C'est bien joué, quoi. Ah, pourquoi je me fais chier avec le rayon de l'aube? C'est vrai qu'on aurait... on en récupère des nouveaux, là. La balise d'écho est en place! Bien, Delta, d'autres vermines vous foncent dessus! Attends, toutes les balises sont en place, non? C'est pas raison? Pas tout à fait! Les balises doivent se synchroniser! Défendez la zone! Quoi? Je t'ai eu! Synchroniser de quoi? Je m'en suis occupé! Elle est bien ta synchronisation, on est en train de les massacrer les potes. Ah ouais. Oh mon Dieu. C'est bon? Oui. Oh, 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 oh. Il est où ce con? Des pauvres. Oh merde, un paquet de pauvres. Alors on va se les faire aussi. Je l'ai vu venir, la mort. Je l'ai vu venir. La balise d'écho est en place.
toutes les balises sont en place, non? Ils ont pas de réseau? Pas tout à fait. Les balises doivent se synchroniser. Défendez la zone. À terre. Et après, une fois que ça sera synchronisé, il pourra tirer à tout va, je pense. On n'aura plus besoin de lui dire où tirer. T'es mort! Merci. Oh ouais. Des faux. Oh merde, un paquet de faux. Alors on va se les faire aussi. On va se rester en arrière là. J'espère que la balise. Ouais, ça va. Ça va, la balise elle est en scénario. Un écumeur, abattez-le! Évidemment. Ici, Syrah. Comment ça se passe pour vous? En fait, phase, on est un peu occupé là, tout de suite. Bon, je rassemble les gens au cas où on devrait se replier vers le mur. L'essentiel, c'est d'empêcher ces choses d'approcher de la ville. D'accord. Mais faites-moi signe si vous avez besoin, ok? Bien reçu. T'as encore un truc là? Oh, aidez-moi! T'as faux? Par contre, le problème, c'est que je vois rien du tout avec ça. Je t'ai eu! Comme ça. Et ça, c'était le dernier. Si jamais il cherche sa queue, je vois rien. Bert, c'est bon pour nous. Les balises sont synchronisées. Ah, c'est le moment de nous sauver, Bert. Je te conseille de pas traîner. Bah, bon, vous inquiétez pas, je les vois. Wow. Oh, joli tir! Oh merde! Delta, qu'est-ce qui se passe? La balise! Ah non! Ah bien. Oh merde. Tu nous as trahis. Je vous ai trahi. Vous êtes quoi? Nous sommes ce que tu aurais pu être. Tu lui ressembles peut-être. Mais tu n'es pas ma mère! Del, maintenant! Les tentacules. Nous sommes un être complet. Connecté. Immortel. Tu avais le choix. Et tu as tout gâché. Vivante ou morte, tu nous appartiens. Quoi? Putain. Chut. J'aurais pas pu lui balancer le couteau dans la tête. Ah ouais, carrément. Alors, tu mourras avec. Non. Kate. Non, je t'en prie. Non. Allez. Non. Oh non,
On peut recommencer ? Il n'y a pas un troisième choix ? Pourquoi ? Je peux pas. Je suis vraiment désolé, mec. Del. Del, je sais. Je sais, je suis désolée. C'était mon ami aussi. Ouais. Maintenant, on doit partir. C'est qui va l'annoncer à Marcus ? C'est pas moi, hein. Oh la vache. Éclaire-nous, s'il te plaît. Mais c'est pas possible, parce qu'il va avoir Gear 6. Hein ? Un jour. Il va avoir Gear 6. Et JD, il peut pas être mort. Non, c'est des conneries, ça. Non. Non. Vas-y, rechargez. Non. Bâtiment, il va s'effondrer. Faut... Qu'est-ce qu'on s'en fout. Oh, on est dans la merde. Bon, ça va, on y va. Je sais. Continue de chercher une sortie. C'est mort. Non, c'est pas par là, alors. Merde. Merde. Je fais le même choix. Voilà. Rache direct dans la logique des choses. Si tu penses qu'à elle, ça va pas se détruire ça. Elle est plus proche de Del que JD. Donc elle aurait peut-être fait le même choix si on parle vraiment du personnage en fait. Elle aurait fait peut-être le même choix. Viens, file-moi un coup de main. Il n'y avait pas un troisième choix, hein. Okay, on est d'accord, il y avait pas, on pouvait pas balancer le couteau dans la tête. Non, j'ai rien vu, mais... Contrôle ici, Delta. On a besoin d'aide. Je répète, envoyez de l'aide. Je peux pas respirer. Ah. Bon bah c'est fini. À l'aide. Ok, c'est bon. Je suis là. Cool. Écoutez, vous devez retrouver Marcus, il vous attend devant. Je dois aider les Gears à rejoindre le mur. Non. Kate, allez, il faut partir. Cool, je peux pas rester avec toi. J'ai pas envie d'aller voir Marcus. J'ai vraiment pas envie d'aller voir Marcus. Là, voilà la sortie. Allez, prends l'autre côté. T'avais pas trop de choix. Au moins, il reste des balises actives. Delta, je balance un fumigène. J'ai besoin de vous tout de suite, je suis encerclé. Bien sûr, Marcus, on vient vers toi. On doit le rejoindre, vite. Oui. Bah honnêtement, comme j'ai dit, je suis pas vraiment pressé. Del, encore une saloperie de nuée. Et des rejetons. Pas le bouclier, s'il te plaît. Mais putain,
Tu vas la tirer la... Ah oui, il y avait le plafond. Cette arme. Fin. Oui et non. Ça, je fais pas trop chier, Dan. Tu vas me faire regretter de t'avoir choisi toi. C'est pas quoi dire, j'ai envie d'arrêter. On peut arrêter de jouer, j'ai pas envie de jouer. J'ai plus envie. J'ai plus envie. Même phase, il va nous détester. Même phase, il va... Il est toujours en vie, phase, on est d'accord. Non, ouais, ça renvoie les grenades. Enfin, ça renvoie les grenades. De l'action sans arrêt en fait. Faut qu'il y ait toujours des ennemis. Comme ça on n'a pas besoin de parler avec avec Marcus. Comme ça on n'a pas besoin de communiquer. C'est quoi ça? Ah merde, c'est le robot. Et il y a un bastion qui est là en renfort. Ah yes. Parce que sinon c'est pas drôle.
Il y a le mec là-bas derrière, non? Toujours. Encore 3. Attention, grenade ! Oh le bas. Oh merde. Tu fais la sieste? Qu'est-ce qui t'arrive? Tant mieux. What? What? Oh! C'est Jack qui vient de me tuer. C'est Jack qui vient de me tuer. J'ai enlevé le bouclier. Quand tu enlèves le bouclier, ça explose à l'avant. Putain. Bah tant mieux, on n'a pas besoin de parler à Marcus comme ça. Honnêtement, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Ça fait chier. Hey, il est où, James? Mais on a encore merdé le truc. Quoi? Comme au début. Oh non. Maman, on va combattre avec la musique triste et tout. Non mais oh putain, mais c'est pire que tout quoi. Oh mon dieu. Oh mon dieu, mais c'est pire que tout. Ah, quel merdier, James. Je suis vraiment désolée. Arrêtez s'il vous plaît, je vais pas tenir. Ah c'est on a pas fini. C'est méga dramatique là par contre. Quelqu'un a appelé un taxi? Gears, j'ai besoin de tout le monde au mur. Nos balises sont HS et la vermine fait une percée. Oui. Merde. Delta est en route. Oh mon dieu. Pleurez pas les gens. Pleurez pas. Démarre. Après, on va devoir se la retaper. Oh merde. C'est mieux comme ça. C'est mieux. Y'a pas de son. Ok, attends. Oh petit terre. Ouais, je préférais faire ça.
c'est reparti. Alors, on va sécher nos larmes, c'est reparti. Et si tu faisais le mort ? C'est reparti. Et si tu faisais le mort ? Qu'est-ce que vous foutez ? Bon, allez, c'est pas grave. Aidez-nous à les descendre. Qu'est-ce qu'ils ont de la vie, ces connards? Bien joué. Merci pour le coup de main. Et du coup, si c'est Del qui meurt, ça ferait quoi? Genre JD et elle se deviennent plus proches. Merde, merde. On essaie de lever. Il me fait chier lui là. Pourrait tirer sur lui. Quand vous voulez les mecs, vous réveillez un putain de merde. J'entendais bien un mec là-haut. Il y en a plusieurs. Trop bien. Se la tape à la fin, JD. Oh là, ça fait chier. Si j'avais mon putain de magnum, ce serait tellement mieux. Mal.
Ah mon dieu. Wow. On a dû se reconnecter, c'est pour ça qu'il y a eu le freeze. Ah mon dieu, sérieux. Pardon, pousse-toi, merci. Tu l'as balancé où ta grenade? Excuse-moi, je voudrais passer. D'accord, ça me bat les couilles. J'ai demandé en fait où ils étaient les autres, là-bas, à droite. Genre super loin. Si on restait là. On est bien. Il faudrait juste des balles pour le lander. Ça résiste aux mines, hein, cette merde. Dun. Oh mon dieu. J'ai été déco du chat apparemment pendant une seconde. Mais ça devrait être bon. C'est bon là ? Jack. J'aurais dû le geler en premier en fait. C'est bon, on peut y aller là. Oh là. Mon dieu, ce combat qui dure une éternité alors que.
Non, on l'a déjà fini. C'est bon, maintenant on peut pleurer. C'est bon. La voie est libre. Oh la vache. Oh, ça fatigue. Merci du coup de main. Hey, il est où, James? On n'a pas fini. Quelqu'un a appelé un... taxi ? Gears, j'ai besoin de tout le monde au mur ! Nos balises sont HS et la vermine fait une percée ! Baird, Delta est en route. Démarre. Quelqu'un sait quel est le meilleur moyen de rejoindre le mur? Y'a pas de meilleur moyen! Allez, avance! Alors accrochez-vous et éloignez-les de nous! On n'a pas le temps d'être triste. Oh non, non, non! Pleure, mec! Roquette en approche! Vase! T'aurais pas pu choisir un autre tunnel, bordel! Ils sont sur nous! Attention! Ah mon dieu. Ouais, je la vois. Merde, manquait plus que ça. Ah bien. On est coincé. Je vais essayer de me dégager. Sortez de là et protégez mes arrières. Essayez de te dégager comment? Tu vas foncer dedans? Ah oui, non, c'est ce que t'es en train de faire en fait. T'es en train de foncer comme un malade dedans. Putain de merde. Sniper. Chasseurs. C'est quoi les chasseurs? Les arbalètes? Faites chier. Merde, merde.
T'es encore en vie, machin? Fuis, sapien! Fuis, sapien? Ça va pas de m'insulter comme ça? Ça a marché ou pas? Oh mon dieu. C'est bon. Non, non, encore. Il faut vraiment un magnum. Est-ce qu'on peut monter? Il est où ce con? Ah, il est là. Corruption! Lance fumée! Ouais, flash? Ouais. Putain, je l'ai. Transporteur! Éloignez-moi cette saloperie du Minotaur! Il est où? Il est en dessous de nous. Oh putain. On a aussi une nuée! Bon, on fait quoi là? On peut pas abandonner, honnêtement. On peut pas abandonner. Abandonner la guerre, les laisser gagner. Elle est où? Machin. Il faut quelque chose, j'ai pas de balles. Il y a un truc qui traîne. Ça va pas être drôle. On va se reculer quand il crache ses trucs, c'est trop dangereux.
Le recul de cette arme, quoi. Et Marcus, il refuse de nous aider. C'est quoi le deal là? Parce que... je peux voir une arme à droite. Allez, un peu lent là. Oh mon dieu, faut pas mourir maintenant. C'est mort, ils sont morts. Alors tout le monde remonte, on est prêt à partir. On va prendre ça. Marcus, il doit être là. Vas-y, on part. On les attend pas. Toutes les munitions, elles étaient là. Je vous demande pas votre avis. Remontez dans le camion. Je sais. Ok, on y va. Ah, pousse d'elle. Ça y est, je regrette. Bravo, d'elle. Oh mon dieu, il y a ça maintenant. Il n'y a pas assez de munitions. Vas, on est là. Il y a des munitions dans le camion, merde. Une nuée, vite, vite. On tire sur quoi? Oh non. Faut les aider. Allez, tout le monde dehors. Je suis content de vous revoir. Allez-y, yeah. Faites-moi plaisir. Allez, Delta, on défend la position. Le Wehrmacht avance. Il faut qu'on ralentisse. Ralentissez tout ce que vous pouvez. Continuez de pilonner le pistolet. Hey, tu te souviens de moi? Oh, y'a quoi? On va s'amuser un peu, connard. Retourne dans ton putain de trou. Quand je disais on va s'amuser un peu, je voulais parler du Coltrane, bébé. Coltrane. Oh, qu'est-ce que... J'en étais sûr. Non! Go! Go! Ça, il est peut-être pas mort! Non, mon dieu. J'ai littéralement le pied au plancher! C'est impossible d'aller plus vite! C'est bon, Faz! Je crois qu'on l'a semé! Je croyais qu'on avait tué cette saloperie! Il nous a suivis. Marcus, collé. Je sais pas.
Non, merde! Envoie la drogue! Ferme-le, ferme-le. Aïe, aïe, aïe. Je sais, on y est presque. J'ai cru voir des dents. Arrêtez de dire soyez prêts à chaque fois. On les tient ici, Delta. Ils ne doivent pas franchir ce mur. Ils arrivent. Ah. Ah, ça arrête les mines aussi. Je crois. Là on est mort là. Là il faut un miracle. Oh putain. Ouais, on a un problème. Oh mon dieu. Oh mon dieu de merde. Permettez-nous de nous aider un peu tard les robots. Ils sont où ? Voilà. On ne s'arrête pas ! Ouais, maintenant. Delta, qu'est-ce que vous foutez en bas? Maniez-vous de grimper sur le mur! Carmine! Gabon, on arrive! Ah, c'est Carmine qui a envie, quoi. Oh, vache. Allez, allez! Il est putain de badass, ce Carmine! Le canon électrique doit se recharger entre chaque tir. Prenez une tourelle et maintenez ces saletés à distance. Vous l'avez entendu, Delta. Éliminez ces nuées. Ça va, ils ont l'air de bien se débrouiller. Non, tu tires pas assez, mec. Pousse-toi. Comme ça, comme ça. Voilà. Il y en a encore d'autres qui arrivent derrière, je crois. Ah ouais. Ok, ça marche, Shane. Bonne soirée, merci d'être resté. Oh. Bonne soirée à toi. Ça marche.
putain, c'est quoi ça? Oh ça, c'est juste un vieux combat. Je peux pas lui tirer dans la gueule avec le... Oh non, pas encore ça. Termine. Quand est-ce que le canon électrique sera prêt? Dès qu'il sera rechargé. On est à la fin là. Non 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 non. C'était qui? What? Il est où Carmine? Oh la vache. J'arrive même plus à détruire les langues, quoi. On a des armes de merde là, par contre. Là, je suis inutile. Là. Ici. Attends, Carmine. Non, non, non. Qu'est-ce qui se passe? Elle appelle à l'aide? Elle appelle à l'aide? Mort. Oh putain de merde. Le flash marche instantanément, ça c'est bien. Est-ce qu'il est chargé le machin? Oh merde! Non! Non, non. Je vais pas y arriver. Ah putain, ça fait mal. Je déteste faire ça. Je déteste appuyer à plusieurs fois sur rien. Sur une touche, c'est horrible. La deuxième fois, c'est super difficile. Oh, faut refaire depuis le tout début. Si on fait ça... Allez, tire. Ok, on peut peut-être... Pas très fair play, mais on peut peut-être spammer ça, en fait, à côté des munitions.
Ok, faut qu'on se retourne vers les munitions. Ah non! J'avais oublié. Sois nourri sur les amis-là! Joli tir! Là! Les langues reviennent! Et même si on touche la base des langues, ça marche, je pense. Ouais, ça a l'air de fonctionner à chaque fois. Si on touche la base. Et pas le point sensible. Ouais. Pêche. Il n'y a pas une nuée ou un truc ou une connerie. Oh merde. Il y a ça. Dans sa gorge, visez les amygdales. Combien de tirs il te faut, ça? Continuez de le pilonner pour l'achever. Visez les amygdales. Qui vient de mourir? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il sait où il est, Jack. C'est Jack. Il transmet les coordonnées de balise. Et il a pris le contrôle de la mise à feu. Bah oui. Oh, Jack. C'est vraiment un petit futé. Ou alors il peut même... Ah, utiliser soi-même. Enfin, s'utiliser. Comme ce qu'il avait fait... comme JD, en fait. Oh la vache. Lui, il a failli crever deux fois, j'étais sûr qu'il allait, il allait crever un jour ou l'autre. Il est toujours là. Ah, y'a cool. Faudra que je regarde la différence entre leurs armures, pourquoi Cole il a une armure comme ça. Blanche, là. Pourquoi ils ont le crâne et les autres ils ont l'aigle? J'imagine que si c'est l'inverse, si c'est d'elle qui meurt, c'est elle qui reste, qui est à la place de Marcus, genre seul et tout ça, je dirais, je sais pas. Elle reviendra. Je sais.
si on la trouve avant. Eh ben... Ah bah c'était bien. Si vous voulez aller vite, allez tout seul. Si vous voulez aller loin, allez-y ensemble. C'est pas mal ça. C'était bien. Un peu touché par la fin. Donc du coup, bah... J'ai bien aimé l'histoire du coup, et les personnages, si ça me touche un peu. Vraiment, vraiment bon. Honnêtement, du début à la fin, j'ai rien à dire sur le jeu. C'est, du début à la fin, c'est de la bonne action. Même en démence, c'est très très bien passé. À la limite, ce qui est marrant, c'est que la plupart du temps, les jeux, le début est super intense et super intéressant. Et après, ça ralentit. Là, j'ai envie de dire que c'est l'inverse, quoi. J'ai envie de dire que le début, avant qu'on ait l'accident là, avec les camions et qu'on perde de vue JD, là, tout ça, là, James. C'était bien, mais en fait, le jeu devient encore mieux après, quoi. Ça, c'est rare. Ça, c'est rare. Je comprends pas après pourquoi on a eu un choix. Je me demande ce qu'ils vont faire pour Gear 6. Quelle fin va être canon en fait? Ou on perd James ou on perd alors Dell? Faut que je enfin, après je regarderai sur Google la fin avec si jamais on sauve James à la place. Est-ce que Dell meurt vraiment? Je dirais oui. C'est un peu étrange d'avoir le choix comme ça, surtout avec des persos aussi importants, enfin surtout avec James quoi. Après, c'est fort possible qu'ils aient déjà l'histoire en tête, ça m'étonnerait pas. Hein. Ça m'étonnerait pas que déjà des scripts et tout ça soient déjà sur le chemin et tout. Mais qu'ils aient pas encore commencé le jeu, mais qu'ils aient déjà l'histoire, donc ils savent où aller. Mais c'est un peu bizarre de... C'est un peu gros, en fait, d'utiliser un des personnages principaux comme ça. Après, c'est vrai qu'on l'a pas vraiment joué, on l'a joué au début et basta, quoi. Après, c'était vraiment un personnage secondaire. C'est Kate, le personnage principal. Parce qu'elle est connectée à la reine. C'est vraiment elle. En tout cas, ouais. Vraiment bien. Vraiment, vraiment, vraiment bien. Je m'attendais pas à un aussi bon jeu. Et je m'attendais pas à avoir une aussi bonne VF aussi. Très, très bonne VF. Très très... comment dire... C'est difficile de juger les versions en fait. Version originale, version VF et tout ça. Mais pour moi, quand les conversations sont naturelles, c'est ça le problème. La plupart du temps, les conversations sont pas naturelles en fait. Là, le choix des mots, le choix des phrases, l'intonation, tout ça, elle y était. Il y a quand même un peu le début, James était bizarre. James était très un peu monotone comparé aux autres. Mais après, il n'y a eu aucun problème, honnêtement. Bon, on a fini notre nouveau jeu sur le stream, c'est bien. Je suis content. Vraiment content. Vraiment heureux. Combien d'heures de jeu ? Hmm.
Je dirais une trentaine. Un peu moins d'une trentaine, je dirais. Ah merde, je peux pas. Ah, je peux pas vraiment bouger en fait de là. Si je clique en dehors du jeu, ça m'épose apparemment. Faudrait compter les derniers streams, c'est ce que je voulais faire en fait. Je vais regarder les heures des VOD. Mais apparemment, je peux pas là. On peut peut-être le faire via le téléphone. Non, peut-être pas 30, ça ferait beaucoup 30. Non, on doit être à une vingtaine d'heures. On doit être à une vingtaine d'heures. Non, 30, ça fait beaucoup trop. Ouais, on doit être genre 20, 21h, 21h, 22h, un truc comme ça. En dément. En dément, donc ça veut dire quand même qu'il y a des moments où on a passé au moins 30 minutes, 40 minutes sur le même endroit. Allez, on va dire que... Ouais, une histoire entre 15 et 20 heures, c'est pas mal quand même. Pour avoir de l'action tout le temps et pour pas que ça devienne monotone, genre de l'action chiante, par exemple. Genre, tu tues toujours les mêmes monstres et tout ça. Là non. Là c'était pas chiant du tout, quoi. Et puis après, t'as le côté un peu ouvert et tout ça, avec les missions secondaires. Ça aussi, c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait. Et j'espère qu'ils vont continuer dans ce sens-là, parce que c'est vraiment cool. C'est vraiment bien. Pas que ça soit caché non plus, mais que ça soit des missions secondaires comme ça, que tu peux voir et que t'aies vraiment le choix, en fait, entre les faire ou pas. On n'a pas vraiment cherché la map, on n'a pas vraiment... Genre, comment dire, on s'est pas forcé à explorer la map. Les moments où je me suis forcé à explorer la map, c'est les moments où on avait fini la map, en fait. Donc j'avais rien loupé. On avait vu les choses de loin. Donc ça, franchement, ça c'est cool, ça. Les missions secondaires comme ça, que t'as pas besoin de chercher parce qu'elles sont cachées ou des trucs comme ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Ah, les personnages sont cool et tout ça. Vraiment rien à dire de ce jeu. Qu'est-ce qu'on... Merde, faut trouver un point négatif. M'entier de moi. Trouvons un point négatif. C'est pas normal. On a eu deux fois le bug. Mais ça, c'est le bug, parce qu'on est mort en même temps que la cinématique s'est déclenchée. Donc on peut même pas appeler ça un bug vraiment, mais. Enfin quoi. Oui, c'est un bug en fait. Mais... C'est pas grave. Il est cher sans le pass. Voilà, le défaut, ouais. Il est cher sans le pass. Et encore, pour moi, je dis qu'il vaut largement l'argent, quoi. À un moment, dans un des streams, je l'ai dit, je crois. Genre, c'est quoi? C'est 3€ en ce moment, le Game Pass Xbox? Pour moi, c'est pas assez cher pour ce genre de jeu. C'est largement pas assez cher, parce que le jeu est vraiment top. Donc ouais, pour moi, cette année, pour le moment, c'est le meilleur jeu de l'année. Pour moi. Pour le moment, en tout cas. Après, ce que j'attends, il me reste Doom Eternal et Death Stranding. Mais ça va pas être dans la même catégorie, vraiment. Je vois pas vraiment Doom étant le meilleur jeu de l'année. Un des meilleurs, oui. Mais le meilleur, non. Parce qu'il va sûrement être moins prenant. Parce que là, il y a quand même des persos intéressants et que tu t'attaches et tout. Et t'as des morts et tout. Après, il y a Death Stranding qui va être assez spécial. Mais ouais, ils ont fait un très très bon boulot en tout cas. Sur Gears. Très très heureux. Ça me fait chier, j'ai envie de faire les anciens maintenant. Enfin, ceux que j'ai loupés. Mais
suis pas sûr que ça passe bien, vu que maintenant je sais ce qui arrive. Donc je vais pas les faire. Mais ça vaut le coup. Peut-être me regarder une récapitulative des histoires vite fait. En tout cas, Microsoft tient une très bonne franchise, hein, qu'ils ont continué à faire et à améliorer au fil des années. Très très bon. Bon. Je sais pas s'ils sont tous sur le pass. On en parlait quoi hier? Shaina, je crois qu'il a dit il y a le 4. Faut que je regarde. Je crois qu'il y a le 4. Maintenant, qui est sorti en fait sur le game. Enfin, non, vu que le Game Pass il est sorti il y a pas longtemps, c'est l'inverse. Mais je crois qu'il y a le 4. Je sais qu'il y a le 1 remaster, je crois. Je l'ai vu. Il y a le 4. Et je sais pas s'il y a les autres. Mais ouais. Mais après, non, point de vue de l'histoire, moi ça va pas m'intéresser en fait de faire les anciens. Parce qu'on sait ce qui se passe. Moi ça me bloque souvent en fait l'histoire. Vu qu'on sait ce qui va se passer, je vais pas vraiment genre m'amuser avec l'histoire. Ça va pas m'intéresser autant. Donc du coup, non, je préfère pas les faire. Je préfère pas faire le 3 et 4. C'est ceux que j'ai pas fait. Je préfère pas du tout. Je préfère les passer. Mais en tout cas, je ferai le 6. C'est vrai que le fait que ça soit sur console, Xbox, puis après Xbox One et tout ça, j'ai laissé la franchise du coup, vu que j'ai pas la console. Mais là, s'ils les ressortent à chaque fois, enfin s'ils sortent tout le temps les gears sur PC en même temps, mais là, mais je prends direct quoi. Je prendrai direct. Vraiment très bon jeu. Très très bon jeu. Ah ben, je suis heureux. Je suis heureux du jeu. Et les persos vraiment bien. Baird, il est vraiment cool. L'ingénieur, là. Il est vraiment cool. Genre, à un moment, quand il répond, là, il dit quoi, là, les satellites sont tellement proches qu'ils sont en train de se payer des coups. Un truc comme ça, ça m'a bien fait rire. Et c'est ça que tu vois que la VF, elle est bien, parce qu'elle est... Elle est fun, et elle est naturelle. C'est ça qui est important. Et ils traduisent les bonnes choses aussi, genre le coal train. Genre parce que le pain train, genre le train de la douleur et tout ça. Ils l'ont pas traduit en français parce que c'est débile, y'a personne qui dirait ça. Genre, je suis le train de la douleur. Ça fait débile en français, ça fait complètement débile. Donc il a dit le train, genre en anglais quoi. Donc ils ont traduit les bonnes choses en fait. Parce qu'il y a beaucoup de jeux qui font un truc horrible, c'est de tout traduire. Ou de traduire juste les phrases normales, et après ils gardent tout le reste en anglais, donc ils font une sorte de... Ils parlent français, et après ils te disent des trucs en anglais, alors qu'ils pourraient le dire en français. C'est une horreur. Là, c'était très bien fait. Là, j'ai trouvé ça très bien fait. Bon, les crédits sont un peu longs, parce que j'arrête pas de me dire du bien du jeu. On dirait que j'ai été payé, quoi. À Microsoft, au passage, si jamais vous m'entendez, j'aime beaucoup votre jeu. Si vous voulez des gens pour streamer Gear 6, quand il sortira, appelez-moi. Il y avait aussi le... Comment il s'appelle ? Le russe, là.
Taluk? Non, merde. Oh putain, les noms, moi j'ai du mal avec les noms. Il est cool lui aussi, vachement cool. À un moment, j'ai cru qu'il allait devenir méchant. Quand il était super sérieux en disant qu'il aimait vraiment pas la CGU et tout ça. Mais ça s'est calmé après. Quand on était en train de récupérer la fusée, j'ai vraiment peur qu'ils finissent contre nous en fait. Ce qui n'aurait pas été vraiment logique, hein, vu qu'il y a les locustes et tout ça qui nous attaquent, mais... C'est jamais. Et les musiques aussi sont super bien. Les musiques sont super cool. Bon, est-ce qu'on a débloqué des choses? Reprenons la manette. Reprenez comment vous voulez laisser. Ça, c'est du coup, c'est sûrement le dernier point. Je vais voir un peu. Je voudrais bien qu'il nous laisse prendre d'autres personnages. Oups. La chute. Ouais, non. Ouais, non, sinon ça aurait pas vraiment de sens. La chute. C'est quoi ça? Les chasseurs. Traqués par les sires, les joueurs devront se protéger les uns les autres. Ruche passée. Partage de cartes. Tu peux créer ta propre carte, je crois, c'est ça? C'est comme Halo avec Halo Forge, je crois bien. Ou alors Doom avec... Merde, comment ça s'appelait pour Doom? T'avais un système aussi. Le multi assez speed et quelque peu gerbotron. Je suis d'accord, honnêtement je suis d'accord. J'ai regardé des gens qui font du Gears. Parce que maintenant, bon, tout le monde a fait l'histoire, donc ils sont surtout sur le multi. J'ai regardé, c'est dû au gameplay, je pense. Le fait de sprinter tout le temps pour se déplacer vite, avec le fait de se coller au mur et tout. Genre la caméra, elle fait droite gauche tout le temps. Les mecs ils tirent, c'est droite gauche. J'avoue que c'est assez étrange de regarder ça. Je suis d'accord. Ah, on testera le multi. Je streamerai prochainement, sûrement jeudi. Jeudi ou vendredi. Ou alors jeudi et vendredi. Pas demain. Mais je sais pas ce qu'on va faire. On testera peut-être un peu du multi. Je vais voir. Oui, t'as un éditeur de cartes, ouais. Fera peut-être un peu de multi sur Gears. Voir un peu ce qu'on peut faire. Sinon, ouais, sinon voilà. Très bon jeu!